bonjour à tous. Alors parmi les vidéos dont je vous avais parlé, que j'allais partager avec vous, je vous ai parlé d'outils pratiques. Et à propos de ces outils pratiques, il se trouve que lors du séminaire La meilleure année de votre vie avec Martin, on discutait avec une des participantes qui fait aussi le cercle VIP avec moi, et on me disait, ouais, mais alors nous on est des vrais catas parce qu'on n'arrive pas à se souvenir des prénoms. Et c'est vrai que quand on travaille dans le monde de la communication, moi j'ai fait 15 ans de grande distribution, j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai eu un bar, j'ai eu, voilà, ça fait des années que je fais du marketing relationnel, etc. Et j'ai un vrai problème avec les prénoms et avec les visages aussi, donc ça n'arrange pas les choses, et c'est super embêtant parce que des fois on se trouve dans des situations, salut voilà, hein, des fois je me trompe même de prénom, hein, c'est une vraie cata. Donc c'est super embêtant, donc on essaye des fois de naviguer, machin. Et puis bah, Yannick nous a fait une super belle formation pour les participants à la Neuro Business School, vous savez de quoi je parle. Et Yannick nous disait de parler de réseautage, d'aller parler aux gens, etc. Machin. Et il n'y a rien de pire que d'aller parler aux gens et de ne plus savoir comment ils s'appellent le lendemain quand vous les recroisez, ou d'avoir les cartes de visite et de dire... Je sais plus qui c'est. Donc... J'ai dit à Vanessa, écoute, tu sais quoi, justement, je me suis engagée à donner des outils. Bah, le premier outil, c'est celui qui va me servir à moi. Je vais creuser là-dessus, parce que c'est vraiment un handicap, je reconnais, et c'est vraiment pas pratique du tout. Et puis le soir, j'ai eu la chance de me coincer dans le fond du bar, à côté de JP, JP Bonnet, que vous découvrirez très prochainement également sur ma page Facebook. Enfin bon, vous en entendrez parler, ça c'est certain, mais je vous dis pas pourquoi. J'aime bien garder les mystères. Et en fait, je lui parle de ça, et je lui dis vraiment, c'est une catastrophe, je me souviens jamais des prénoms, il me dit, ah, il me dit, j'ai un truc infaillible. Écoute bien, tu vas voir, c'est super simple. Alors, je vous le donne. J'ai commencé à le tester. Jusqu'à présent, ça marche. J'en ai pas eu 50 d'affilée. Mais comme lui a eu vraiment ça à travailler de par son passé, de par son business, eh bien, il a mis en place cette technique qui, a priori, fonctionne très très bien. Donc, je vous la donne. Donc, il me dit, bah, en fait, c'est pas compliqué. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand il te dit son prénom, tu lui dis bonjour. Tu répètes le prénom et tu imagines, tu écris visuellement son prénom en toutes lettres, et ensuite tu lui serres la main ou tu le touches, en fait, de façon à associer le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Il me dit, quand tu fais ça, et ben tu ne l'oublieras jamais. Après, tu fais ça une première fois, et puis un petit peu plus tard, dans la journée ou dans la soirée, quand tu vois cette personne de loin, tu réécris dans ta tête le son prénom, et comme ça tu le graves vraiment à vie. Il dit, et c'est comme ça que moi, des fois, des années plus tard, je pouvais recroiser quelqu'un et me souvenir encore de son prénom. Je trouve ça absolument génial comme idée, parce que des techniques pour retenir les prénoms, il y en a des tonnes, et franchement, j'en ai essayé plein, ça n'a jamais marché. Donc celle-là, en tout cas, pour le peu que j'en ai testé hier soir avec les personnes que j'ai croisées, je me souviens des prénoms, donc je me dis qu'elle a l'air de fonctionner pas trop mal. En tout cas, je vous invite à la tester, à mettre dans les commentaires si vous avez une technique autre qui marche aussi, mais en tout cas, si vous avez essayé celle-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça marche pour vous, et puis partagez-la, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un métier de communication, de relationnel, et ça, c'est un vrai, vrai gros plus d'arriver à se souvenir des prénoms des personnes que l'on croise. Voilà, c'était l'astuce du jour, je vous souhaite une merveilleuse journée, et je vous dis à très très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook, il y aura encore tout un tas de vidéos de ce genre. Pour moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.